petite nouvelle la gaille. Barre volo, barre volo, barre Léon Charles, barre Margaret Fortuné. Mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur canal Pola. TVLakayHaiti.com. Jeudi, c'est samedi 27 août 2022. Et c'est 6e sortie nous pour ce maintenant. N'a dit merci à tous ceux là aux amis compatriotes nous qui toujours étaient et connectés sur canal ça. Et bien mesdames et messieurs, nous portons toutes dernières informations pour vous sur dossier Léon Charles qui lui-même cassé caisse la police là côté monsieur parti avec 18 millions gouttes. Et gain Margaret Fortuné tout ta parti a presque 53 millions en tout cas mais qui sac pays d'Haïti a même moun qui chef en dan go institution sa yo et c'est yo k'ap vole comme pays a et puis autant de ti malheureux k'ap travail ou pa jam touché alors que gros autobre yo c'est yo même k'ap boule comme l'état c'est yo k'ap boule comme institution et puis yo pa vle payer employé. Et bien mesdames et messieurs, nous connaissons Margaret Fortuné, c'est lui même qui te directrice loterie dans le pays d'Haïti. Depuis nous disons l'autre, nous avons question bolette et nous qui habitué jouer bolette. Et bien, mesdames et messieurs, Margaret Fortuné cassé caisse l'autre, elle parti avec tout comme ça. Et Léon Charles tout pour Bopal qui lui même prend 18 millions de gouttes côté comme ça, elle prend l'épapillé sous ti quatre divers policiers qui ont même pas même. Policier encore, et bien Léon Charles fin tout le Jovenel, monsieur retire col dans le pays. En tout cas, nous allons inviter tout en détail dans la vidéo. Ça. Bonne écoute tout le monde, n'a tourné. Et grand pile nèg qui dans le gouvernement, ça, et bien, ça, c'est qui prend le code. Est-ce que dans le monde, ça, est-ce que Ariel Vaurien a parmi le monde qui a pris le code? Nous espérons, nous ne connaissons pas, mais n'empêche, en pile monde qui dans le gouvernement, ça, d'après pression qui a fait là, d'après ça que nous connaissons qui a fait là, et bien, qui prend le mari là. Et où Salomon? Eh bien, je vais nous parler de l'ISCC. En parlant de directeur général unité lutte contre corruption, maître Anne-Jacques et Louis-Joseph, lui mettait mis en disposition la justice haïtienne 10 rapports enquête. Lui-même, sous question de corruption qui évalue à 500 millions de gouttes. On est là qui se voit en plus de l'autre langue. En effet, rapport ça enquêté. Rapportage de plusieurs noms personnalisés là-dedans, qui indexé dans le rapport INCC. Je parlais rapport l'État haïtien, qui encore, ils ont fait évaluer 500 millions de gouttes sur M. Joseph, qui remet avec autorité judiciaire plusieurs requêtes qui concernaient les personnalités politiques et qui reprochaient des dépôts de déclaration patrimoine. Pareil. Mais ensemble, ils affirmaient que le rapport enquête la légalité. La transparence, l'ouverture relative avec directive gouvernement républicain. Il y a plusieurs noms, personnalités là-dedans. De l'autre côté, je tiens à mentionner ça qui trouvait dans le dossier qui est à la justice. C'est une enquête en fait détournement bien public, passation illégale, marché, confusion, faute de gestion et abus de fonction. Et bien, nous avons plusieurs noms qui sont là-dedans. Je parle de mairie Petit Bois Blanc. Et le petit Gouavlan, est-ce que c'est pas bonheur? Et votre mairie, Maïssa, petit Gouavlan. Eh bien, il y a gain, Maïssa et Polybertéa. Maïssa, on se bouge, c'est Raphaël. C'est Kakabaral et Fonds de développement industriel à Maïde FBI. Stade de Lébi, Police nationale d'Haïtien, Léon Charles, Lycée Joseph, Piesuya, Maïssa et École des droits des sciences. Voilà. Mais n'a pas les détails sur Jovenel Moïse. Pourquoi le sujet Jovenel Moïse? Économie de Gonaïve, juge de paix, section nord Gonaïve. Nous avons Daniel Régis, loterie nationale de l'État d'Haïti. Corruption qui était présentée dans l'agence centrale de l'État, dans la collectivité territoriale et faire connaître Maître Hans. Dans le rapport, ça, il faut sous côté. Léonel ne devait pas rentrer dans Douanio, ne devait pas rentrer dans EONA, ne devait pas rentrer dans EPLA. Nous n'avons pas rentré tout. De l'autre côté, nous avons et l'ISCC entré, mais malheureusement, l'ISCC est passé là-dedans. Là où l'ISCC est allé, ils ont fait de 500 millions de gouttes, Léonel. Ça veut dire, comment les gens ont fait l'argent? Margaret Fortuné, Serge Merger, Exagéry, Léon Charles, Estelle et plusieurs mairies qui trouvaient dans la ligne. Mais dans la ligne, il y a c'était pour corruption. Une belle lutte contre corruption. Il
il a fait 10 rapports avec des blancs pour par rapport à ça. Il a fait qu'on ait un rapport là que Dieu l'État haïtien, l'autre l'État haïtien, malgré fortuné, il détenait plus de 40 millions de gouttes. Et sous Jovenel, il a pu appeler, Jovenel mourir, jamais moins de justice. Gabriel Témillon, on a été tel avant de mourir, on a indexé et Matéli par rapport avec Parrain. Mais malgré fortuné lui-même, il a bomboché 40 millions de gouttes, 8 millions de dollars, comme corruption. A été, on a tué à l'autre national qui va même garder employé. On va dire, gros banques en un pays, ils n'ont pas payé l'autre national, on est les citoyens, ou à pour faire éternel, on va dire, président Éric Diabati, Éric Diabati, on a vu sous les élections. Parce qu'on est en train de payer l'État, et puis on a de l'État au Boumkop, et puis vous avez le besoin de l'élection. Et puis, gros banques en Haïti, Toto, chez Toto, ils n'ont pas payé l'autre national, et vous allez, on dit, est qui prend un bel salaire 15 000 dollars et vous donnez 10 000, l'IGN détourne 40 millions de gouttes. Ça vous est souvent à continuer, vous avez 40 millions de gouttes, parce que quand on a un corps, comment faire comme ça nous? Il a été revendiqué, action publique et qui mettait en mouvement contre Madame Fortuné pour détournement bien public. Ça va l'argent lié, et bien, bien sûr, avant c'est comme l'État, c'est Gage Baili. C'est Merger. Et Edgar, je dis, c'est deux autres personnalités qui visaient dans l'ILCC. Non, après FDI, je m'a dit que j'ai un FDI, bah, industriel, Fenech Pekob. Deux anciens directeurs généraux, ça y est, les favoriser dans le prêt, en marge des normes qui réservaient à l'ESA une somme de 900 millions de dollars. Voilà. 9 millions de dollars. Ah, là, déconseillé, 9 millions de dollars américains. Paul Afito, il voit Paul Afito ou Ebidjo. FDI, liquidité pour Afito, 9 millions de dollars. Ça a dit, 2 minutes, et j'ai dit, regardez, à dégager nous, comme ça nous devait dire avec Paris. Là, on a voté pour la vie 9 millions. Moi, pour 9 millions, il y a 1 million de dollars qui voulait. Ça a dit, il y a 1 million de dollars qui voulait. Il y a une somme de 100 millions de gouttes avec ACL Construction. Là, ACL Construction, Lionel, ou Hervé Léouche. Hervé Léouche, il y a un film. Hervé Léouche, il y a une radio. Pacifique, Hervé Léouche, qui vient de la construction, Hervé Léouche, les mêmes capteurs propres. Ça a dit José Alain, Hervé Léouche, ou même José Alain, qui n'a pas fait construction, qui n'a pas fait jambon, c'est comme il y a des gouttes, ça, faut-il aller, parce que c'est comme l'État, c'est parce que maintenant, nous allons aller à l'école, j'ai engagé le métier, parce que l'un des sous-présidents de Joël Moïse, ça va pas être là, Léonel. Son rapport sous-présidents de Joël Moïse, et bien, on va pas y aller, non? C'est là qu'on est dans le bon sous Jovenel Moïse, et vous, et puis c'est opposition à critiquer le président, comme quoi le président n'a jamais travaillé. Eh bien, Hervé Léouche, même si on est ça, de vous rester le monde, président de métier, qui est directeur, qui est ministre, vous avez volé, vous participez dans le monde Jovenel Moïse, parce que c'est vous-même qui devez, on a critiqué le président, quand on a fait le président comme un menteur, ou participez dans le monde président. Léon Charles, voilà. C'est un livre de tout ça, c'est un galibre. Il y a une cause policier mourir, il y a une cause président mourir, il y a une question, mais qu'on a mis pour l'école, une question de corruption. Il dit Léon Charles, c'est un galibre, tout colorat ou virel, ça veut dire tout colorat ou virel, il y a tout ça, il y a tout ça. Franck, il y a un galibre, c'est un galibre, c'est un galibre, il y a tout ça. On m'a dit, il y a tout ça. Eh bien, Léon Charles lui-même, il était pointé du doigt. Par directeur général ILCC, Jacques Joseph, pour une question de cadre de débit, qui est soumis par PNH et avec BNC. Pour les policiers révoqués et retraités, c'est continuer à bénéficier mon temps qui a trouvé versé sur le cadre de débit. En ce qui concerne l'école des droits de Gonaïve, Roland, Papis et Chedli, chers enfants, vous avez acquis des documents bien publics par ILCC pour plusieurs millions de gouttes. De détourner. Il a été sollicité. Initiative de la part autorité judiciaire. Bon, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une situation sous l'autre? Bon, on connaît Léon Charles. Voilà. Est-ce qu'on pense qu'on va suivre l'international Léon Charles? Bon, Jean Blanc pour Léon Charles. Ce qu'on doit les poules à couvrir, les couvrir, mettre les en bas votre. C'est quoi pour mon barbine? Bon, Jean Léon Charles en bas votre maman poule là, en bas votre maman rat là, en bas votre maman chat là. Et dans les États-Unis, j'envoie Léon Charles coucher en bas de mon chat-là, côté qui est-ce que je vais me voir pour Léon Charles. Comme ça, on ne connaît
qui vaut rap, qui a rap, qui va fourrer meilleur, à Léon Charles, en bas, votre rap pour les bien, en bas, vous chacun de bien. Allez, nous tous connaissons Léon Charles là, et je vais nous les piquer, alors Léonard qui sont comme prisonniers, comme policiers, qui viennent dans le cadre de Baba Yo. Et bien, là encore, moi, je connais, je vais faire ça, Léonard, j'ai l'histoire et les portations. Qui est capable d'arrêter Léon Charles là, même bien content, rapport ça, non Léon Charles est impliqué là encore, Léon Charles. Dis-nous, où est Léon Charles? Oui, et ça, il faut que nous précisions, Léon Charles, beaucoup de paroles, lui-même pour côté, l'État disparaît, puisse passer 18 millions de gouttes dans le test de la police. Mais j'ai reçu de la comme ça lui-même, il a déposé comme ça, sur qui cache quelques anciens policiers avec quelques employés civils dans la police là. Donc, puisse passer 18 millions de gouttes dans celle de Léon Charles, et bien, qui catastrophe que ça fait? Et dans tête la police a pris des passages au-delà de l'autre soupçon qui vient sous deux implications possibles par rapport à l'assassinat que les jeunes maintenant. Mais Salomon, qu'est-ce que la police est nous? Et si que l'ILCCT convient aussi avec la DCPJ, parce qu'il y a l'ordre du commissaire Lafontaine, on parle de la commissaire Lafontaine, mais il faut qu'il soit pas, pas l'entendu, après non mettre de la matrice, il parlait, il est intimidé. Donc, le commissaire Lafontaine qui a déjà gagné un dossier par le football déjà, donc parce que la DCPJ, je veux dire, l'éclair est visible, c'est tout le monde, hein, c'est la DCPJ qui a fait un bout de travail dans le pays, la DCPJ qui a fouqué et trafic en armes, et DCPJ lui-même qui, justement, c'est celle instance qui sorti en rapport sur le rapport de caisse sur le dossier Lafontaine après le journal, parce que de sécurité une entité qui est plus fiable, qui est capable de faire suivi à deux César, donc par rapport avec justement enquête ISIL TAP mené, écoutez que les indexés plusieurs affaires qui fait partie en dit des personnalités publiques qui ont même pas coupé la chaîne d'État, mais nous, enquête ISCCA, il pas visé le gouvernement qui l'a, nous pas qu'on est, mais comme on dit déjà Salomon, enquête ça, c'est une enquête qui est menée depuis et presque. Sous l'administration de la journée là, et nous, actuellement, le gouvernement qui l'a, pas de quelqu'un qui mène sous ministre, pas de quelqu'un qui mène sous personnalité qui fait partie du gouvernement qui l'a. Donc, ma femme, on monte à courir à pied, voler Delco, voler Guy, et Major Michel, Bruce Mounsao, est-ce que va gagner justement, il y a quelqu'un. Voilà, mesdames, messieurs, c'est extrait, ça n'a pas gardé là. Oui, opération zéro tolérance, et Jean nous dit, félicité, ti messieurs, ti messieurs qui sont moto, yo, population, qui commence à bouquer. Parce que première victime dans c'est eux-mêmes. Première victime dans c'est eux-mêmes, mesdames, messieurs. C'est nous qui sommes dans la diaspora. Des fois, il y a un problème. Eh bien, là où ils kidnappent comme ça, premier monde, après les eux-mêmes. Quand il y a ça, il y a une cause qu'on ne peut pas foutre fond économie. Donc, première victime dans c'est eux-mêmes. Ils ont commencé à camper. Je nous dis, monsieur, il ne faut pas faire ça. Pas remettre la police là. Pas remettre la police là. Nous avons un petit bagage là. Nous avons un caoutchouc nous. Passons à l'infinitif. Parce que même là où prend nous, il n'y a pas de jouer avec nous. C'est à coût 50 millions, 20 millions, 2 millions, 10 millions. Côté on cop, nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas jouer. Eh bien, justement, faire au connaît, mesdames, messieurs. On nous avance là. Nous avons regardé avec cette vidéo. Comment les kidnappés, les policiers, justement, ils ont intercepté. Eh bien, côté que, eh bien, nous, malheureusement, la population qui, justement, pas arrivé et déposer la patte. Sous et kidnapper yo, et même qui arrivait à une pension dans le commissariat, et le monsieur là qui était bon réflexe, côté que, au lieu que justement il y ait couru devant la population, il y a une pension dans le commissariat, mais nous, les policiers quand même, qui est obligé, et bien, sécuriser monsieur yo, et côté que, aucun, il n'y a pas mal de la population, non, mais ça qui ne va pas regarder.
mais nous capable dire quand même et nous monde Carrefour quand même qui justement lever commencer lever camper là mais monde Carrefour qui dit mais yo pas dans la va kidnapping ou pas la donne il pas quitter monde vient faire kidnapping dans notre territoire ni passer dans zone nous avec monde qui kidnappé nous connaissons dans la zone Gressier Miami Uve Gressier ces zones. Et bien, quand il était réputé pour de ces barricades, et qui est ma secteur politique qui s'est mette, qui m'a fait ça, qui j'aime ça, on a fait barricade, c'était ancien sénateur Nenel Kassi, et bien, c'est héritage ça, Nenel Kassi qui était pour le monde Kofou. Donc, nous avons dit, mais, si monsieur ça, eux-mêmes, pas de nom de la police là, on a tout bail, rien qu'il y ait Nenel Kassi, parce que c'est héritage Nenel Kassi qui était quitté pour le monde Gressier, le monde Maya, ni Bordeaux, et mais c'est même gang ça, là, qui a essayé justement, puis parce qu'on s'attend des motocyclistes partis des MSO et bien finalement ils sont obligés à rentrer donc ils n'avaient su comment finalement ça a abouti. Voilà, pendant qu'on parle là, mesdames et messieurs, nous avons annoncé, nous apprenons que justement dans la ville au Cap, semble-t-il qu'il y a une grande difficulté éclatée. Bon, nous disons ville au Cap, nous connaissons au Cap là très grand et pour l'instant nous ne pouvons pas déterminer exactement qui côté, mais c'est extrait ça que nous. Est-ce que nous avons plus de détails sur ça, monsieur, par rapport à la difficulté qui a éclaté au Cap, monsieur? Mais jusqu'à présent, la difficulté qui a éclaté, nous avons terminé, mais nous avons dit que c'est dans zone 8 et numéro 9. Nous connaissons ça au Cap, là, mais jusqu'à présent, mais le plus souvent, l'entendez au Cap pour un petit peu comme ça, c'est toujours question de gaz. Le monde qui a stocké gazoline, et la caillou du mi, et nous connaissons en plus le côté de en bois au fait. Le Supremo Tribunal Fédéral lui deu raison. Anulou la condamnation du caso du tribunal. C'est ça qui est à l'origine, mais jusqu'à présent, nous pouvons connaître qui cause du fait ça qui prend dans la zone 8-9 ou bien 8-8, jusqu'à présent, n'a pas eu la du mi. Mais nous connaissons une difficulté éclatée dans la ville au Cap. Nous connaissons ville au Cap. Et pour ce moment-là, nous connaissons tout passé. Nous avons un mauvais moment côté en plus de monter pour la rue pour te manifester côté de annoncer dans la semaine qui vient là, c'est devant Bacan. Nous pouvons faire opération fermée Bacan. Si Bacan n'a pas de responsabilité dans la question économique du pays, Léonel. Voilà, eh bien, bon, nous invitons à regarder cet extrait, mesdames et messieurs, par rapport à différents qui éclaté. Évidemment, je pense que dans l'extrait, on a besoin de plus d'explications, plus de temps, on a compris. On nous parti pour nous laisser ça. Ça, c'est dans la rue 8H, là, on a un gros différent qui éclaté là. On a un gros différent.